Mofinkin La Grâce fait l'expérience, une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'était il y a tout juste six ans. C'était 6 ans de cela, pendant une retraite d'exercice spirituel. À l'époque-là, Motipé étudiait sciences politiques. Et pour moi, l'étude est bien importante. C'était une manière pour moi pour mettre mon talent au service du Seigneur. Blandine, comme ça 8000 dimounes qui t'y présent l'autre pendant une semaine dans mois août, fait partie famille ignatienne. À l'occasion 450 ans l'anniversaire à Morignas, nous fait 3 premiers compagnons qui t'y a mis dans le Seigneur. Ignace, François Xavier, Pierre Favre, qui tous les trois fin font compagnie de Jésus. Ce mois-là, nous proposons de découvrir Ignace et sa spiritualité à travers un bon homme et une bonne femme qui peut vivre ça aujourd'hui. Ignace, c'est sa dimoun qui fait une rencontrer Bondier dans une façon vraie, qui fait une faire l'expérience présence Bondier, un Bondier qui vivant. C'est sa même dimoun qui, quand il priait, quand il reliait sur la vie, il arrive discerner qui Bondier ou les pour lui. Il connaît combien il est important pour décider et pour agir ici et rester à la même. Ça fait qui plus marque moi dans côté Ignace, c'est qu'il nous appelle le discernement des esprits. Pour moi, c'est ça même point central à mon travail tous les jours. Parce que la question plus importante qu'il posait quand on est responsable, c'est qui bien faire, qui s'y met bien prendre. Que faut-il faire? Comment faut-il le diriger? Dans quelle direction pour faire des mondes avancer? Qui bande professeur, qui les bande membres personnels, qui les élèves? Personnel, des élèves. Et ce qui m'aide dans la démarche ignatienne, ce qui aide moi dans sa façon d'agir, Ignace là, c'est effectivement sa qualité attention là. C'est l'analyse de la situation qui tout le monde est capable de faire là. D'abord d'analyse de situation et essayer donc à travers cette analyse de situation que tout le monde peut faire, mais comment puis-je... Quelle manière pour arriver à reconnaître les signes que bon Dieu peut faire et qui peut faire moi comprendre qu'il est fidèle à ma mission. Et dans quelle façon je peux donner un coup de main à quelqu'un qui peut arriver à comprendre les signes que bon Dieu a pu adresser lui dans son projet. Les signes que Dieu peut lui adresser. Béatrice et Yves, mariés depuis 47 ans, étaient à 5 enfants et 25 petits-enfants. Pendant 20 ans, on n'était pas du tout dans la mouvance. 20 ans de cela, pas tu connais qui était sa spiritualité, Saint Ignace là. Mais quand tu peux suivre une session, nous finis découvert qu'il ne savait vivre ça sans qu'il nous connaît. Qu'on vivait cette spiritualité sans le savoir et que c'était un véritable chemin. On a découvert la prière. On a découvert la prière. Nous finis découvert qui était prié tous les jours, comment à travers la prière là, nous finis joindre un kiken. Et pour nous, la prière et l'évangile, il fait une vie, une occasion pour nous joindre sa dimoun-là. Le lieu de la rencontre. Il y a autre chose qu'on a vraiment découvert, c'est le... C'est comme ça qu'on fait une découverte vraiment, le pardon et la miséricorde, bon Dieu. Nous fait une découverte qu'il y a beaucoup de limites et qu'il bon Dieu accepte nous comme nous étions. Et ça finira nous vraiment libres. Alors ça nous a vraiment libérés, quoi. Cette spiritualité ignatienne lui prend compte un dimoun dans tout ce l'être. C'est pour ça que spiritualité ignatienne lui est intéressant pour construire nos pays, pour construire l'Afrique. Construire aussi
notre pays pour construire l'Afrique. Sa désir intense pour sauver Banzam, sa même l'équerre vocation Ignace, s'explique tout du monde qui manière pour un bon Dieu, une façon immédiate, et qui manière faire sa l'expérience la grandit jusqu'à qu'il nous trouve bon Dieu dans tout. Je crois que dans Sauver les âmes, il y a surtout cette passion. Je crois que dans Sauver les âmes, il y a surtout une passion pour faire Banzam comme ça l'amour fou. Qui bon Dieu n'a pas autre, qui manière n'a pas capable cause l'on sa bon Dieu qui fait à nous vivre. Bon Dieu, lui révèle lui-même à travers nous. Lui dire, l'humanité c'est sa passion et lui content sa l'humanité là. Et il est tellement important qu'il nous rappelle ça aujourd'hui, côté Naban l'événement qui est capable de faire nous penser qui bon Dieu fin abandonne Banzom. Là, ce sont des choses importantes à rappeler. Isabelle Le Bourgeois, c'est une massière auxiliatrice. Depuis 10 ans, elle est aumônier prison. C'est là, à travers ce ban visite, à sa ban zone de prison Fleury-Mérogy, dans région parisienne en France, qu'il est fin zoin bondier. Alors vous imaginez, 9 mètres carrés, deux hommes par... Imagine une cellule 9 mètres carrés et côté n'a des hommes qui peuvent vivre là-dedans. Je pas fin choisir votre camarade. Vous êtes là à cause de toutes sortes de raisons. Dans un endroit comme ça, où obligez mes tout à nu. Tout, dans un lieu comme celui-là, est mis à nu. La vérité de ce que nous sommes. La vérité de ce qu'ils ont été et ce qu'ils m'ont été, moi qui écoute vous, l'y apparaît bien vite. Très vite. Eh bien, ces frontières-là, elles ne sont pas si simples. Sa bonne frontière-là, elle n'est pas facile pour trouver. Parce qu'il y a un combat dans vous-même. Bien souvent, moi, j'ai envie de dire, mais ça n'a là, avec tout ce qu'il est fin de faire, moi, je préfère occuper-moi plutôt sur une victime. Et pourtant, reste là, c'est dire et crédire peut-être une base fondamentale de l'Évangile. Un des éléments les plus fondamentaux de l'Évangile, Dieu... Bon Dieu, les jamais désespéré de l'humanité avec tout ce qu'il y était, avec tout ce qu'il y fait. Si nous peinons l'espérance là, je crois qu'il nous pas pour tous, mais ça à Ignace. Quelque chose d'Ignace ne se dirait pas. Jean Caron, li marié, papa 9 enfants. Li est professeur philosophie dans une classe préparatoire, lycée Sainte-Madeleine d'Agnelou, dans région parisienne, la France. La pédagogie ignatienne, telle que je la sens et telle que je la vois. Mon vie dit que pédagogie ignatienne, comment mon tour man dimoun mon entourage vive. C'est une pédagogie de confiance, confiance dans les temps. Accepter qu'il y ait les temps pour man quitte chose prie. Qui ban quelque chose mire, l'étant patience. L'étant qui parfois prend beaucoup le temps. Prend trop le temps. Quelque chose nous guette. Et une pièce là non pour nous, professeur. Et si tout dans ma classe préparatoire, côté une urgence, pas ban date limite, c'est croire qu'il nous capable de faire tout, tout de suite. C'est qui professeur là qui besoin faire tout, tout de suite. C'est à l'enseignant de faire tout, tout de suite. Et vous imaginez bien que cette confiance dans la temps... Et vous bizarre penser qu'il met tout le confiance dans les temps, dans la patience, et aussi accepter qu'il sache du monde les uniques. Nous avons quelquefois 45 élèves... Nous avons parfois 45 élèves dans une classe préparatoire. C'est 45 fois N. Qui moyen concret pour trouver
pour un individu dans ce qu'il y était, dans ce qu'il y en a de unique. Ça veut dire qu'il besoin de plus d'éducation comme un compagnonnage. Ignace choisit pour vivre à la suite un zizi pauvre et quimbe, pas un l'autre. Imite zizi, c'est pas zizi l'idée. C'est choisir pour peine aucun atas, reste disponible et libre pour alcôte bondier appelé, faire des sortes qui c'est vraiment bondier qui nous servit dans tout. Blandine et Gagay Fedjadi sont mariés. Blandine est française, Gagay Lyon-Croix. Zot membre communauté du Chemin Neuf. Lors de cette retraite, et dans sa retraite-là, tu proposes nous pour prier avec un texte, l'évangile Saint-Jean. De l'évangile de Jean. Et en priant avec la question. Et comme tu peux prier avec question qui Zézi pose Pierre Lourblac. Simon, fils de Jean, est-ce qui te compte en moi, plus qui s'abanne là? J'ai été touchée par le Seigneur. Le Seigneur fin tous moi, comme a dit l'étipé cause en moi. Li fin dit moi, Blandine, te banne l'étide, te dire qui te peut faire ça pour moi, mais est-ce qui te vrai même compte en moi, plus qui te l'étide? Et c'est dans le grand désir. Et c'est dans un grand désir pour dire oui. Mofine prend conscience combien réalité me la vie, t'il loin avec sa oui là, qui Mofine réussit capable d'offrir me la vie au Seigneur. Que j'ai pu offrir ma vie au Seigneur. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je terminais mes quand études. Quand nous t'isouen, fini mon étude l'université et après, Motipé choisir pour travailler pour mon pays. Moi qui avais fait pour ça de très longues études, ça m'a été assez. Mofine fait une longue étude pour ça et me trouve ça bien difficile pour Tan Gagay qui est hongrois, dire qu'il y a envie de retourner vivre dans son pays. Rentrer dans son pays pour y vivre. Et que si je choisissais d'épouser Gagay. Pour moi, ça veut dire qu'il me choisit pour me marier à Gagay, moi pour bien quitter mon pays et mon métier. Et c'est en priant à nouveau. Et c'est quand Mofine reprend sa parole, qui Mofine recevoir pour prier dans retraite, mon rétane le Seigneur demande-moi, est-ce qui te compte en moi, plus qui te l'étude, plus qui te métier? Les là, Mofine capable accueillir ce que le Seigneur t'y envie de moi. Mofine gagne la liberté nécessaire pour dire oui, Gagay, et pour choisir sa chemin de vie qu'il t'y peut propose, moi. Qui m'était proposé. L'homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu et par là sauver son âme. L'homme fut créé pour louer, respecter et servir bon Dieu et comme ça sauve son âme. Dans la dimension politique, respecter l'autre, le citoyen, c'est respecter mon adversaire. C'est une petite chose qui est importante. Et le salut, il passe aussi par la politique. Il faut des gens qui soient passés. Désir et passion, c'est aussi quelque chose qui est dans le fondement d'un exercice spirituel. Dis-moi, nous venons indifférents, mais dis-moi qui est indifférent à tout, n'est pas capable de faire un ennui. Ne pourra rien faire. Pour pouvoir être indifférent. Pour capable de venir indifférent, ou besoin de monde qui est passionné. Sinon, il n'y a aucun combat. Et je crois que mon exercice, c'est à la fois donner sa passion pour la politique et lui demander du monde qui a envie d'engager dans la politique pour venir un monde libre, indifférent, mais avec une passion. À être indifférent, mais au sein d'une passion.
Vincent Soulages, Limoyer, papa des enfants. Depuis des millénaires, Limom, conseil municipal Nanterre, une commune 86 000 habitants dans région parisienne. Bertrand, qui m'a beaucoup frappé, il a dit, je cite, « Pour Saint-Ignace, l'engagement politique est l'entrée dans un chemin de croix. » Pour Saint-Ignace, l'engagement politique, c'est commencement un chemin de croix. Et ça, une expérience qui personnellement m'a fait vivre. En 2002, dans la ville de Nanterre, un fou une tire coup de balle au conseil municipal. Une tue huit nos bonnes collègues dans la nuit mardi à mercredi saint. La fin de la semaine sainte, finit de moi tenir le coup. Moi, énormément aidé à tenir. La fête du vendredi autour de cette... Vendredi saint, dans méditation lors de l'incarnation, vous finissez capable de retrouver ce qui fait fondement mon engagement politique. Ça réseau qui finit poussou pour aller vers les autres et qui finit cassé. Aller vers les autres et qui avait été détruit. Mais surtout à cette... Là, mon fin trouve la différence entre bandes qui croient dans les ciels et bandes qui pas croient. Mon capable, c'est mon bande difficulté, bande déception, bande défaite, bien capable de mettre une distance avec la politique. Et un véritable détachement. Et nous, chrétiens, nous connaissons que ce n'est pas la politique qui peut sauver le monde. Et c'est là que nous la fausseté. Ça, quand nous bannissons, n'est pas la fin du monde. Et c'est comme ça que nous sommes capables de garder nos distances avec la politique. Et c'est de cette distance-là que nous trouvons nos libertés par rapport à l'engagement. Ignace de Loyola n'a pas sauvé des vrais combats qui bisaient amenés dans cette époque et en même temps, l'itico n'accueillait ce qui bondier proposait, même s'il est imprévisible. Il y a une contemplative dans l'action, il est capable de trouver bondier dans tout qui te sauve et gagne désir pour connaître le Christ encore plus intérieurement. Contempler dans l'action, c'est apprendre à regarder ce monde. Contempler dans l'action, c'est apprendre à guetter le monde avec regard bondier. Je trouve qu'il nous le monde, lui plutôt montre nous tout quelque chose qui n'a pas marché. Bonne catastrophe, ça nous confère. Nous-mêmes, guetter bonnes affaires qui pas bon en nous, l'on nous faut. Mais apprendre guetter bonnes dons qui les autres n'a, guetter nos propres dons, content pour dons qui l'autre là n'a, et pas à l'ouli, ça c'est contempler. C'est apprendre guette comme à bondier guetter. Et c'est comme ça qu'il nous capable participer dans la société, nous vîn acteurs et pas spectateurs. Ayez le monde en vous. Qu'il est monde vîn en toi. Qu'il est monde vîn comme à un monastère, comme à te la s'appelle. Je dirais volontiers. Nos rapports au monde, les plutôt aller vers. Ou pas refaire un grand diffé dans la case pour qu'il bandimoun vini, mais plutôt ou amène diffé là partout que tout capable. Dans des lieux qui paraissent parfois tout à fait insolites. Mon exemple personnel, c'est. Si on va en Afrique pendant 11 ans pour ma aumônier ban étudiant dans Côte d'Ivoire et dans Tchad. Mon final Tchad, 10 après l'assassinat, nous sert Christine. Et pour moi, ça a été un grand acte. Et pour moi, personnellement, c'était un grand geste de réconciliation entre ce pays-là et nos congrégations qui t'y finissent blessées. Moi-même, j'avais été blessée. Je me disais, on ne peut pas. Je me disais moi-même, pas capable de laisser un pays, zis la cause, un assassin. Pas capable de laisser tomber. À cause d'un seul assassin. On ne peut pas laisser tomber. Donc, ça a été pour moi un temps important. Pour moi, c'était un temps important pour vivre un acte concret de réconciliation. Dans nos missions, nous visons à affronter un monde de violence, de souffrance, et que nous apportons la paix et le pardon. Et porter la paix et le pardon. Qu'est-ce que c'est la contemplation ? Qui était contemplation ? C'est simplement essayer, vivre présent à ce qui est présent. Dans la famille ignatienne, il y a l'exercice spirituel qui pour moi paraît essentiel pour développer sa regard contemplatif, c'est la relecture, la prière d'alliance. L'exercice de la relecture, de la prière d'alliance, c'est-à-dire la fin de la journée, reggae toute la journée comme un film pour louer le Seigneur.
Léla nous développe sa regard contemplatif là, c'est-à-dire nous contemple ce qui bondit une de nous pour vivre. Get tout qui chose dans bondier et get bondier dans tout qui chose. C'est sa contemplation. Papa, moi un papa pour ce petit fils là. Moi dis manzot qui moi été. Moi zot papa. Ben non, c'est leur père, je crois. Des sentiments. Un grand ami. Père Sérac, lui aussi, il y a un compagnon, Ignace de Loyola. C'est en France, en 1937, qu'il fit appel lui pour venir un missionnaire jésuite dans l'Inde. Kouma Mère Teresa, qui fin connu lui, fin traverse sa pays-là en motocyclette, dans l'auto, dans le train, pour servir les plus pauvres. Sur l'action finale jusqu'à passe 15 ans dans un camp réfugié de Mer Rouge, près de la frontière Thaïlande. C'est une grande affaire. Zodi, il y en a 92 ans et il est toujours continué voyage à travers l'Inde. Je suis parti en 1937. Je suis parti en 1937, faire calcul, mais ça fait à peu près 69 ans. Nous avions à la maison le frère de papa. Côté nous, dans la case, tiens un frère de papa, qui tient du monde extraordinaire. Des petits missionnaires en Inde, et ça m'a pas fini de retourner. Après mon baccalauréat, au lieu dans ma grand l'école dans Paris, je fin dit à mon papa, vaut mieux qu'il me remplace mon tonton. Il valait mieux qu'à le faire la relève de mon oncle, le remplacer. C'est parti sur une chose comme ça. C'est comme ça qu'il m'a fini commencer. Mais je crois que ce qui est plus profond, c'est un peu différent. Au final, avec une idée, je regarde le visage du Seigneur. Nous connaissons que Jésus est présent dans tous les pauvres du monde entier. Il est présent partout. Mais surtout, tout ce qui fait un autre, c'est à moi qui te fait ça. Ça, c'est une affaire bien importante pour moi et pour nous. Et c'est l'eau là tout seul qui pousse nous, l'eau là tout seul. C'est rien d'autre. Et c'est avec cette idée-là que mon final est. Cherche le Seigneur dans un pays bien loin là. Rôde le visage du Seigneur et reflète le visage du Seigneur. Le reflet saisisse l'amour. Et n'a une seule manière pour refléter le visage du Seigneur, c'est compte en l'autre là. Au début, j'étais comme la plupart des missionnaires. Le commencement, j'étais comme la plupart des missionnaires. J'étais pas envie de faire une conversion. À ce temps-là, si j'ai découvert le Seigneur, j'ai erré pour baptiser les autres. Mais à ce temps-là, j'ai l'approche plutôt un témoignage de la vie parmi les autres. Parmi eux. Partager leur vie. Partager la vie, j'ai l'angoisse. J'ai la joie, j'ai l'espérance. C'est ça, moi, la vie, comme un missionnaire. Tâcher de détendre de plus en plus les espaces de la charité. Essayer d'agrandir de plus en plus à l'espace de la charité-là, l'espace de l'amour. Essayer de contacter plus d'enfants possible. Parce qu'en Inde, ou pas capable de contenter ou être 10, 200, 300 enfants, besoin toujours dépasse plus qu'1 000. Toujours. Personnellement, il y a deux trois petites choses que je viens d'apprendre dans l'Inde. D'abord, c'est grandeur de la pauvreté. Qui manière ben dimoun dans cette grande misère, cette capable reste bien digne et avec une grande beauté. Grande beauté l'Inde, c'est pas dans ce ban riche. On apprend cette grande dignité de la pauvreté. C'est là qu'on doit apprendre dignité la pauvreté. Et c'est une grande petite chose pour nous ben chrétiens dans un pays où l'argent a beaucoup de place. Et deuxièmement,
Et deuxièmement, une autre petite chose qui frappe en Inde, c'est l'espérance. Il y a cette conscience. Dans l'Inde, il y a une conscience qui, dans chacun de nous, il y a une étincelle qui vient de Dieu et qui fait nous la force et que nous beauté. Qu'on appelle l'apna. Ils appellent ça l'apna. C'est impressionnant. Il y a bon Dieu dans eux. Ils ont Dieu en eux. À cette époque de nous, en fait, nous sommes de bons chrétiens, nous aussi. Nous sommes si nous, nous sommes bons chrétiens, nous ici, nous n'avons l'étincelle bon Dieu dans nous. Mais quitte fois, nous pas assez conscients de ça. Mais nous ne sommes pas peut-être assez conscients. Donc notre travail, c'est quoi ta chose? Le travail, c'est ça qui choque Bandimoun. C'est pas tellement faire autres prendre conscience présence bon Dieu. Je t'en ça autant que nous. En Inde, tout est sacré. Mais faire autres prendre conscience, ban être humain, tout ce qui te fait pour être plus petit, c'est à moi. Un bout de pain à une quelqu'un qui peut mourir de faim, c'est un bon Dieu qui te peut donner ça. Ça, sont nos amis. Ça, c'est nos camarades, ban lépreux. Ils ont été intouchables. Tous autres la vie, ce type ban pas rien. Ce type n'a les pieds, ce type n'a les doigts. Ce pas les doigts. Que t'as ça? Avec que t'as ça? Tu as donné à lui? Il faut toucher les lépreux. Bien tous ban lépreux. L'important pour eux, pour aider eux, retrouver leur dignité. Ce qui est important, ce n'est pas l'argent qui nous donne eux, mais prendre le temps avec eux. C'est l'amour qui enlève les gens de leur solitude et de leur tristesse et de leur découragement. C'est l'amour qui tient Mandimoun depuis cette solitude, cette tristesse, ce découragement. Moi, je crois qu'il y a l'amour qui est capable de résoudre les problèmes de nos hommes. Je comprends qu'il y a l'amour qui est capable de faire ça. Parce que si bon Dieu finit de créer nous, c'est pour que nous comptons nos camarades. Toi, on a vu Dieu ce matin. Tu trouves, nous finis de trouver bon Dieu grand matin. Sa grande phrase en tamoul qui me dit là, c'est dans sourire ban pauvre, dans sourire ban lépreux qui nous peut trouver la gloire de bon Dieu. Nous y trouve la gloire de bon Dieu grand matin. La gloire de Dieu. Mais on a vu la gloire de Dieu ce matin, tu sais. On est libre, Dieu nous a laissé libre comme lui. Nous libres, bon Dieu finit nous libres comme l'île est libre. Ce qui fait grandir ban hommes, c'est notre liberté. Bon Dieu finit de nous la liberté. À nous pour connaître comment servir lui. Seule petite chose qui me connaît d'une façon extraordinaire, c'est que bon Dieu compte en nous. Jamais mon fils ne trouve bon Dieu. Je ne connais pas si je compte en lui, mais je connais qu'il est, il compte en moi. Et ça, je connais ça d'une façon extraordinaire. Bon Dieu compte en moi. Jamais mon fils en colère contre bon Dieu, parce que je connais que son amour pour moi, c'est un grand amour fou. Il nous aime à la folie. Et s'il y a des choses qui arrivent, je cherche le visage. Je peux écouter le visage bon Dieu. Et je peux essayer de refléter ce visage-là, qui est un visage d'amour. Un visage d'amour. Il est un visage d'amour. Il est un visage d'amour. Mais c'est beaucoup de voir. Alors venez voir ce très beau bâtiment-là, qui n'est pas encore tout achevé. La parole du mois lit dans l'Évangile Saint-Marc, chapitre 1, verset 17. Jésus dit à Zot, suive-moi et me pour faire Zot, vin ban péché odom. Pour ce mois-là, nous proposons de prier pour l'Inde, qui est une bonne zone et bonne femme, comme à Père Sirac, qui continue le travail pour agrandir ben l'espace charité, ben l'espace l'amour.
les cœurs.